Jeudi à ce mardi, nous vivons et mardi 3 octobre 2023. Bonjour, bonsoir à Haïti et toutes amis compatriotes, toutefois accès collaborateurs qui connectent nous dans tous 10 départements pays. Bonjour, bonsoir à la diaspora, en façon spéciale, toutes compatriotes qui suivent aux États-Unis, Brésil, Chili avec la République et Dominicaine. Bonjour, bonsoir fanatiques, bonjour, bonsoir internautes, toutes fidèles, branchés, plateforme, moins content ensemble avec nous. Si nous la caillons, dans le travail, dans la rue, quel que soit à côté nous connecter Chanel là, moins saluer. C'est un coquin chaîne plaisir qui m'a connu en deux fouquen pour nous rentrer la caillou, pour nous partager avec toutes nouvelles, toutes informations qui a bouleversé la ville, pays d'Haïti ou à l'étranger. Même quoi, c'est toujours petit frère aux amis, on merci Dieu. Toute équipe là à la Wombade nous déjà motivés et mobilisés. Nous pourrons la retransmettre pour vous. Journal Créole, Méga Matin, j'aime toutes. Nous déjà connaissons Méga, c'est Pigo Rizo Radio Haïtien Gessoula Tebini. Avec staff nouvelle là, information yo sous pays d'Haïti. Ou écoutez Radio Méga Go Radio A, li fait 5 ans. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal la Radio Méga qui passe sur réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, dans États-Unis. Mercredi 3 octobre 2023, gros bonjour, gros bonsoir, mardi 3 octobre 2023, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans le journal La Matin, c'est un plaisir pour nous capables de porter pour deuxième paraître un journal Méga Matin. Micro-présentation, moi-même Jean-William Sévérac, Daniel Daniel, touche technique, Marcel Joseph. Bonjour Marcel, bonjour Daniel. Bonjour, bonsoir Pays, bienvenue sur Antenne Radio Méga. Mais quelques principales informations, nous avons pour nous développer dans le journal La Matin, avec 13 voix pour 2 abstentions. Conseil de sécurité, Organisation des Nations Unies a finalement voté résolution qui autorise le déploiement de forces sécurité dans le pays d'Haïti. Troupio, tu as dû commencer à arriver dans le pays d'Haïti dans le mois janvier 2024, selon sa CNN rapporté. Mais pour le ministère des Affaires étrangères dominicain, Roberto Alvarez, qui n'est pas capable de voyer premier troupio depuis le mois novembre 2023, qui a venu là. Peuple haïtien dit Conseil de sécurité ensemble avec le secrétaire général des Nations Unies, merci en pile, n'a pas salué pays États-Unis avec Équateur qui t'a porté projet résolution. Nous remercions tout le pays qui t'a aidé de façon payo. Merci à un pays Kenya qui a accepté de prendre cette mission. Le parti de réaction Premier ministre Ariel Henry sous compte Trudel. Pour chef bureau intégré Nations Unies, votre conseil de sécurité ONU, c'est une étape positive, décisive pour mener stabilité avec la paix dans le pays. Maria Isabella Salvador, souhaité acteur politique Yoshita pour jeune un compromis politique. Porte-voix SDP Ahmed André Michel, pas de prêtant pour réagir et puis s'allier belle victoire diplomatique, sa politique gouvernement Ariel Henry a remporté. André Michel, s'allier votre conseil qui va être possibilité pour force la ville craser tout gang yo d'après un militant politique là. Depuis jeudi passé à machine pas capable de traverser bonne cabrite, c'est l'accès qui était plus facile pour arriver dans le nord pays à Conseil national société civile haïtien. Mandé l'État prend responsabilité devant situation tête chargée ça. Il y a un gros impact sur Madame Sarayo. Ancien président Michel Joseph Martelly convoqué devant juge Walter Wessel Voltaire qui a instruit dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse. Il devait paraître devant juge dans jeudi. Ancien président Devine dit ça qu'on est sous dossier assassinat ça. Nous apprenons également juge Martel Jean-Claude Renaud de Nasli dans le cadre de dossier de café exam. Il a gagné implication présumée l'église épiscopale là. Document ça, juge là a blanchi toute prête l'église là et voyé devant tribunal criminel pasteur DND Johnny Docteur et l'a trié. Dans une cérémonie qui a déroulé en présence Premier ministre Ariel Henry lundi 2 octobre là, dans la Cour cassation, autorité judiciaire a lancé reprise à travail
travail dans le secteur justice là. Président CSPJ Jean-Joseph Lebrun décrit un bilan positif sous accès sous année judiciaire passée malgré contexte insécurité difficile pays en connaît. On a un dossier qui a un rapport avec la justice en d'un pays. Il y a une request en nécessité pour appareil justice là sous école pour remembrer le secteur ça qui souvent critiqué. Chef gouvernement promet ainsi pour appareil à bien marcher. Gagné économiste Enomi Germain qui exigeait un audit dans le ministère ça qui boulait en pillage dans le dernier budget. L'agence a eu boulé sous prétexte programme apaisement social qui pas jamais eu aucune trace. L'autre dossier n'a bien pour une partager ensemble avec vous dans le journal là jeudi. Conseil national société civile haïtien fait plusieurs propositions pour aider autorité au comble vide qui capable gagner par la frontière fermée. Bah, autorisation pour ouvrir port Saint-Louis du Sidla. Ça cap favoriser échange commercial à la qui ouvre pour Fort Liberté qui permet les mêmes échanges avec Miami, avec l'autre ville dans le Caraïbe, à Cuba. C'est point ça, avec diverses les autres qui peuvent faire essentiel le journal, la zone auditeur, mais pas oublier, n'a bien pour nous traverser avec vous. Dans le journal, je dis à n'a bien pour nous partager tout du jour avec vous. N'a bien pour nous porter pour capsule santé, redmanche Naptoune. C'est vote qui fait dans le Conseil sécurité ONU hier lundi. Côté conseil a accepté pour gagner un déploiement force multinationale en deux pays. Côté gagner 13 pays qui dit yo d'accord pour capable gagner intervention force et gagner de l'autre pays qui fait abstention. Nous prenons tout détail dans le journal la matin. Mes amis auditeurs, nous allons avec info premier élément information. Yo, conseil sécurité a autorisé déploiement yo mission sécurité internationale. La résolution ça qui est adoptée. Côté gain 13 pays qui voté en faveur puis gain 2 qui fait abstention. Deux pays qui fait abstention c'est Russie et la Chine. Conseil a autorisé états membres qui informé secrétaire général participation pour constituer et puis déployer un strict respect droit international notamment droit à moun yon mission multinationale appui à sécurité. Côté Abgayon pays qui a pris tête mission ça en coopération et puis coordination étroite avec le gouvernement haïtien pour une période initiale 12 mois qui donc yon l'année à compter adoption présente résolution qui donc depuis hier yon prend la yon période initiale yon l'année. Et gagné pendant débat général Assemblée générale Nations Unies fin septembre, Premier ministre Ariel Henry réclamé envoi une mission multinationale pour aider pays le faire face à une crise violence et puis insécurité côté à cause activité gang criminel qui bien implanté notamment dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Nan non femme actif qui viole chaque jour, milliers de familles qui chassent la caillou. Timoun ak jen pays d'Haïti qui yo refusé yo droit pour yo capable jwenn ti moso l'éducation ak instruction nan non tout yon peuple qui victime barbarie gang yo mwen mande a communauté internationale là pour agir rapide. C'est ça Premier ministre Ariel Henry a déclaré pendant un débat à général dans l'Assemblée générale Nations Unies fin un mois septembre qui s'est passé là. La résolution qui a adopté Ariel lundi en Conseil de sécurité indiqué exécution opération temporaire ça l'a besoin financement grâce à moyens contribution volontaire état membre et organisation régionale et puis avec appui dans l'idée pour soutenir action police nationale d'Haïti a pour mener pour rétablir sécurité en Haïti et puis créer conditions sécurité propices pour capable gagner élection libre et régulière dans le pays. Mission internationale qui chargée pour fournir un appui opérationnel avec police haïtienne la employer tout pour lutter contre bande et puis améliorer conditions sécurité dans le pays côté gain enlèvement violence sexuelle qui font des sous-genres traite moun trafic migrants contrebande d'armes homicide exécution extrajudiciaire ak recrutement timoun groupe armé yo a fait et puis réseau criminel yo mission ça toi bien pour le charger
pour le fournir yon appui à la police nationale là pour que li assurer sécurité infrastructure critique ak lien transit yo takou aéroport pour l'école l'hôpital principal point intersection yo conseil sécurité a mandé ak mission multinationale appui sécurité yon, pour contribuer dans l'idée pour permettre avec moun qui a recevoir une assistance pour accéder sans entrave et bien toute sécurité dans ça qui vient pour avec aide humanitaire. Ni décidé pour capable prévenir perte en vie humaine, mission multinationale a capable adopter à titre exceptionnel mesures temporaires urgence pour portée limitée pour capable aider police haïtienne. Maintenir l'ordre public et sécurité publique, tant qu'on procéder si nécessaire avec arrestation et puis mise en détention. Conseil sécurité a mandé avec États membres et puis organisations régionales pour fournir en urgence personnel, matériel, moyens financiers, logistique logistique nécessaire à mission multinationale d'appui à sécurité. Dans ça qui est pour avec droit moun bref situation droit moun qui marqué à cause attaque brutale notamment l'homme assassinat enlèvement qui visait population civile intensification violence examio attaque gang contre population gang qui utilisait tireur d'élite sous docaille pour tirer sans discernement sous moun yo volé à faire moun mettez différent kay moun ça qui la cause en pile moun obligé quitter kayo violence sexuelle tant coup viol collectif utilisé gang utilisé pour capable terroriser en particulier femme actifi yo émergence un mouvement autodéfense qui présente un niveau complexité supplémentaire avec une situation sécuritaire qui déjà très difficile. Institution nationale là li mal équipée pour rétablir état de droit dans le pays. Stabilisation situation sécuritaire en Haïti en nécessité un soutien important by la police nationale là. Dossier ça, il y a un ministre des Affaires étrangères haïtien Victor Généguste remercier tout le pays qui t'a accepté voter pour Haïti jeune assistance là tant qu'au pays Kenya tout qui lui-même accepté prendre tête mission si là adoption résolution répond à obligation Nations Unies pour porter assistance bail un pays membre qui en danger qui a gagné un impact line région en côté Victor Orgelius. Le vote de ce texte constitue une avancée significative vers la résolution de la crise multidimensionnelle que traverse Haïti. C'est une lueur d'espoir pour le peuple qui subit depuis trop longtemps les conséquences d'une situation politique, socio-économique, sécuritaire et humanitaire difficile. J'en profite donc pour publiquement ici saluer son courage et sa résilience. Le Conseil de sécurité a pris la mesure de la crise et a compris la nécessité d'agir en urgence pour donner espoir à des millions de femmes, d'hommes et d'enfants désarmés qui ont besoin de recouvrer la liberté, la paix et la sécurité. Et qui ont appelé longtemps la communauté internationale à leur secours. Les membres du Conseil de sécurité, en adoptant la résolution autorisant le déploiement d'une mission multilatérale de soutien à la sécurité, ont pris aujourd'hui une décision à la hauteur des défis. J'en profite pour adresser au nom du peuple et du gouvernement haïtien un remerciement spécial au président du Kenya, à son gouvernement et au peuple frère du Kenya qui a accepté de diriger une telle mission. Je salue aussi les États-Unis et l'Équateur pour leur leadership de la gestion de ce dossier. Je salue la présence de représentants de Guyane, de la Jamaïque et du Kenya. La résolution votée aujourd'hui a une grande portée historique. J'exhorte les États membres à apporter au plus vite leur contribution pour le recouvrement d'un environnement sûr et stable en Haïti en vue du rétablissement des institutions démocratiques. Monsieur le Président, l'adoption de cette résolution dans le cadre du chapitre 7 de notre charte et fondamentale répond à la nécessité de porter assistance à un membre de notre organisation en danger. Il s'agira également d'empêcher que cette grave crise qui a trop duré cesse de représenter une menace pour la paix et la sécurité dans la région.
J'apprécie à sa juste valeur le fait que le Conseil, dans la résolution adoptée aujourd'hui, réaffirme son engagement à la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité du territoire haïtien et reconnaît que c'est au gouvernement d'Haïti que revient la responsabilité première d'assurer la sécurité, la stabilité et le respect de la loi et des droits des gens sur le territoire. À cet égard, le texte dit clairement que les règles d'engagement et l'emploi de la force par la mission doivent se faire en consultation avec Haïti et les autres États participants dans le strict respect de la souveraineté haïtienne et en conformité avec le droit international. Voilà, au top côté, ministre Affaires étrangères, là, Jean-Victor Généus, qui t'a préagi suite avec votre ça qui fait un conseil sécurité ONU. Ces diverses réactions, notamment bon côté premier ministre, là, réaction tout, bon côté président dominicain Luis Abinader, mais avant, on a toujours été avec Jean-Victor Généus, qui c'est ministre Affaires étrangères, là. De l'autre côté, ministre Affaires étrangères, là, ça l'a été résolution qui reconnaît tout pays en besoin d'un dialogue pour jeunes consensus qui a mené dans l'élection déploiement force, ça c'est une étape qui a mené pays en sous chimie stabilité, mais qui pour crucifier gouvernement pour le travail pour accompagner ça qui fait mieux surtout dans le quartier populaire pour empêcher de tomber dans la délinquance juvénile. En écoutant l'autre fois Victor Généus. De même, j'ai noté avec beaucoup d'intérêt que la résolution reconnaît pleinement la nécessité pour la communauté et les institutions financières internationales de continuer à soutenir Haïti, même après la restauration d'un environnement sécuritaire, en vue d'un développement économique, social et institutionnel durable. Elle a appelé les États membres ainsi que les organisations régionales à contribuer en personnel, équipement, moyens financiers et ressources logistiques selon les besoins de la mission. Je remercie tous les pays qui se sont déjà manifestés en ce sens et je profite pour saluer l'engagement de nos amis et voisins de la CARICOM. L'emploi de la force comme première étape demeure indispensable pour créer un environnement sécuritaire propice au fonctionnement normal des institutions, mais non suffisant. Le développement socio-économique doit être pris en compte pour s'attaquer durablement à l'extrême pauvreté, source de tous les maux. À cet égard, il est tout aussi nécessaire de continuer à supporter davantage les programmes sociaux du gouvernement visant à soulager les plus démunis dans les quartiers nécessiteux, terreau fertile de recrutement de jeunes désorientés et marginalisés. Je note avec satisfaction que la résolution insiste sur l'importance pour les États participants à la mission d'assurer le plus haut niveau de transparence en ce qui concerne le comportement disciplinaire des membres de leur contingent et leur demande d'établir des stricts mécanismes de prévention et d'investigation en cas de violation ou d'abus des droits humains de toutes sortes, ainsi qu'en matière de traitement des eaux usées et d'autres contrôles environnementaux. Finalement, je prends note que la résolution reconnaît le besoin pour toutes les parties prenantes en Haïti d'arriver à un accord permettant l'organisation d'élections présidentielles, législatives et municipales libres et équitables, ainsi que la reconstruction des institutions démocratiques. Dans cet ordre d'idées, je renouvelle l'engagement pris par le Premier ministre, son Excellence Dr. Ariel Henry, lors du débat général de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, de prioriser le dialogue politique interhaïtien, unique voie permettant d'obtenir un consensus suffisant pour l'organisation de ces élections attendues depuis longtemps dans le pays. Voilà, vous avez écouté la déclaration ministre Affaires étrangères pays d'Haïti sur dossier ça. Il y a un premier ministre haïtien, Dr. Ariel Henry, qui dit sous compte les saluer votre résolution Conseil sécurité des Nations Unies pour déploiement une mission multinationale soutien sécurité d'un pays. Moi, remercier particulièrement secrétaire général des Nations Unies avec gouvernement américain et équatorien.
pour rédaction texte avec résolution sous vote si là. Nous prenons l'autre dossier dans le journal là, Joudia, même qui tout partout n'a pas quitté dossier ça. Nous prenons très rapidement dans l'autre dossier. Grenoble a bloqué depuis quelques jours au niveau monde Cabrita, ça qui empêchait machine traverser à cause bandit occupé route là. C'est une situation générale dans bloc ça d'après Conseil national société civile haïtien qui mandait l'État prendre responsabilité dans dossier si là. Un reportage avec Jean-Philippe Massé. En pile moun tande ou bien assister comment insécurité a taille bandade dans pays a surtout dans zone métropolitaine façon situation ça limiter déplacement citoyen yo dans capitale là mais causer ça plus grave toujours dans certaines zones dans pays a tant qu'on dans grand nord responsable conseil national société civile haïtienne dans zone ça a aidé de nous comprendre professeur Sili l'effort décide commencer dans la Tibonite tant pour les n'appayon ville tant pour Saint-Marc qui c'est une ville capable dire qui enclavé. Parce que c'est difficile pour les gens pour rentrer pour naïve par rapport à la situation dans la zone de la Quapéris. Et c'est difficile pour les gens pour rentrer pour au prince. Ils ne sont pas capables de faire zone de la Quapéris. Pas facile pour eux. Et ils ne sont pas capables de traverser le cabaret pour traverser le canal pour rentrer pour au prince. Parfois, ils connaissent les grands bâtiments, mais c'est vraiment difficile. Et pour port de paix dans le nord-ouest. Et nous gagnons les port de paix encore qui sont en situation. Côté bus, ils ont sorti port de paix pour rentrer. Parce que vous n'avez pas de port au prince. Qui vient vraiment difficile pour eux, qu'on est obligé à retourner faire Jean Rabel. Et là, nous constatons, pour passer par en sous, extrême difficulté qui gagne pour nous passer, nous avons une situation vraiment catastrophique. C'est le grand axe, mon nord, nord-est, avec plateau central de gagné, Simone Cabri. Depuis jeudi passé, bandit occupé. Ligne machine nan sorti té rouge pour y mi balè. Yon situation tête chargée pour madame Sarah yo ki pa ka traverser. Moun nan grano pa kapab descend Mon Cabri. Nous fait constat gen plus que environ 150 machines qui vive de mi balè. Jusqu'à Mon té rouge pour ta glisser descend yo pa kapab. Et ça vin rann moun yo obligé de payer la taille yo. Et gen moun ki té nan Port-au-Prince tout ti machine ki sorti Gonaïve, ki sorti nan l'Ouest, ki té vin acheter ki gen pour traverser mi balè. Pour rentrer la taille yo, moun sa yo yo obligé rete Port-au-Prince là. Et tout le monde connaît l'air machin, on va dans ça à quelqu'un qui devine vendre produit, ou bien le monde qui vient acheter pour la revendre la taille. Et puis l'air fait 4-5 jours bloqué Port-au-Prince, il faut qu'il paye hôtel pour le dormir, faut qu'il joigne pour le manger, tout ça. Qui donc ça, il est capable de gagner comme profit ou bien bénéfice, tout ça, il vient disparaître dans le monde. Qui donc, arrivé dans nos pays, avion était seule alternative là. Compagnie ça yo qui comprennent ça, décide monter plus haut toujours, prix billet au dernier jour ça yo. C'est long professeur Sili l'effort. Parce que bagar vraiment compliqué et j'en nous fait constat, je dis à nous est grand noir, il paraît enclavé et moun qui t'a veut dire d'avancer en l'air, nous gagne des compagnies d'avion côté billet pour aller au capter environ $105 américains, mais prix soko sorti jeudi pour vendre de mon a besoin environ $155 américains pour qu'elle soit capable de traverser. Mais nous connaissons 98% de monde qui a circulé dans la société, ils n'ont pas gagné moyen pour circuler. Et madame Salah n'a pas pris un avion. Et il faut continuer à circuler. Dans la situation nous actuellement, côté frontières fermées, tout ça, et bien il faut que ça nous produise dans le pays nous pour nous capable de circuler. Qui donc représentant conseil là, tu profites de lancer. Merci, amis auditeurs. Merci à toutes fanatiques Voilà Kay qui étaient connectés ensemble avec nous. C'était un immense et réel plaisir pour nous être capables de faire belle voix ça ensemble. Nous remercions tous les amis qui t'ont suivi nous dans tous les 10 départements pays d'Haïti directement et monde qui t'ont suivi nous dans le département l'Ouest, la Tibonite, Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, Centre, Sud, Sud-Est, Plateau Central. Et merci de ce que nous sommes ensemble avec nous. Nous pas oublier les amis dans la diaspora et spécialement tout le monde qui t'ont suivi nous en République Dominicaine et les amis Porto Rico, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Curaçao, la Barbade, les amis aux États-Unis, ni Canada, la France, yo, et tout fanatique qui t'a suivi nous, et Mexique, et Brésil, Chili, nous comptons pour nous être capables ensemble avec vous, rester connecté, passer une très bonne journée mardi, accompagné de plateforme Paola, pas débrancher, rester connecté. Si vous pouvez abonner, eh bien, pas oublier, faire ça, activer cloche notification. Comme ça, vous avez toujours été informé parce que vous avez une notification quand vous connaissez les noms et publier une nouveau vidéo. Restez connecté, passez une très bonne journée, n'abtonnez pour être capable de continuer à informer.